beaucoup, mais avec la peau. Merci Madame la Présidente et à nouveau bravo aux rapporteurs pour la clarté de leur rapport écrit et de leur exposé. Ma question porte sur la place de l'euro en concurrence avec le dollar dans les échanges internationaux. En mai dernier, comme chacun sait ici, le président américain annonçait le rétablissement de toutes les sanctions américaines contre l'Iran. Madame la députée, vous vous êtes trompée de micro. Ah. Voilà, je sais que c'est un peu compliqué. Ce sont les oui, c'est vrai, c'est plus logique comme ça. Méthode moderne, et oui. Donc, je félicitais les rapporteurs pour leur rapport et j'annonçais que je vais parler de la place de l'euro à la place du dollar dans les échanges internationaux. On est dans un contexte de rétablissement des sanctions américaines contre l'Iran, avec beaucoup d'inquiétude de la part des entreprises européennes, compte tenu de l'extraterritorialité des lois américaines qui permettent de poursuivre personne ou entité pour des faits commis hors des États-Unis. L'Union européenne aujourd'hui arrive difficilement à protéger les États membres des effets de cette extraterritorialité. Alors pourquoi pas utiliser l'euro? Alors il est vrai que la perspective de faire de l'euro une monnaie dominante dans les transactions internationales ne faisait pas partie de l'objectif initialement assigné à cette monnaie. C'était plutôt un outil indispensable pour accompagner l'achèvement du marché intérieur. Alors c'est vrai qu'en termes de monnaie de réserve, c'est plutôt le dollar qui a une position dominante. Mais l'euro tient déjà une large place dans le règlement des transactions commerciales, quasiment à jeu égal avec le dollar. Et en termes d'investissement, et comme vous l'avez dit, il y a des actifs financiers, beaucoup en euros également. Donc une monnaie qui serait capable de rivaliser avec le dollar dans les trois fonctions traditionnelles d'une monnaie, c'est-à-dire réserve, règlement et investissement, pourrait être l'euro. Alors comment vous articuleriez vos propositions de convergence avec l'espoir de faire de l'euro une monnaie dominante dans les règlements internationaux pour faire pièce au dollar?